Groupe Agora des initiatives jeunes, alors qu'est-ce que c'est? C'est une journée conviviale de rencontres et d'échanges entre des jeunes porteurs de projets, des jeunes qui portent des projets dans différents domaines, ça peut être la solidarité internationale, autour de l'environnement, autour de l'animation de l'espace public. Le projet, c'est de partir au Québec et d'avoir un échange avec des jeunes de là-bas. La première partie du projet, c'était de nous partir dans les camps pour découvrir leurs conditions de vie. Et la deuxième partie du projet, c'est de faire venir les Sahraouis en France dans nos familles pour qu'ils découvrent notre culture aussi. C'est donc un projet qui a été qualifié comme multimédia. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais réaliser un spectacle qui était fait de plusieurs arts, en fait, la musique, la danse, le théâtre et tout art du cirque. Donc c'est la balle en diversité. C'est un moyen éducatif pour aborder la question du handicap entre les animateurs et pour les enfants, pour aborder du coup cette question. En fait, moi, c'est un projet vraiment général. C'est plusieurs petits projets dans mon engagement auprès de l'UNICEF. Le but, c'était vraiment de sensibiliser aux droits de l'enfant et aux actions de l'UNICEF dans le monde. L'idée de cette journée, c'est de permettre à des jeunes de se retrouver, de pouvoir échanger sur leurs projets, permettre aux uns et aux autres de s'enrichir des expériences. L'Agora des initiatives jeunes n'a pas vocation à rassembler 100, 200, 300 jeunes en fait, porteurs de projets. On est plutôt dans une relation à la proximité, donc généralement, ça rassemble quelques jeunes de 5, 6, 7, 8 projets. Sur la journée, ça s'organise de la manière suivante. Ces jeunes venant de territoires différents, ils ne se connaissent pas forcément. Il est important pour lancer un petit peu la journée et bien de faire tout un ensemble de jeux de connaissances qui permettent en fait de libérer la parole et puis qu'on pourrait appeler qui joue en fait le rôle de brise-glace. Une des personnes, donc j'arrive à bouger mes oreilles, je connais une chanson de Brassens, etc. Vous allez noter la personne en dessous qui correspond. Claire fait du sport au moins une fois par semaine. Ouais. Au lycée. Oui. Nico sait dire bonjour à au moins 5 langues étrangères, on vérifie. Bonjour. Bonjour, allez là. Hello. Hello. Non, Agathe, elle souffle. Guten Tag. Et allô. Avant de se lancer concrètement à l'installation des stands qui vont servir l'après-midi ou la réalisation des affiches, on propose aux jeunes différents outils d'animation. Vous allez avoir deux ateliers. Vous allez pouvoir mettre en avant vos projets. Donc avec deux supports, il va y avoir un système de blason. On va vous accompagner. Vous pourrez donc décrire votre projet. Et un autre atelier où vous allez rentrer dans le photomaton qui est en dessous des escaliers à l'extérieur. Donc l'après-midi, c'est un temps ouvert au public qui permet aux jeunes du coup de présenter leur projet, de pouvoir expliciter un petit peu ce qu'ils souhaitaient défendre à travers celui-ci, de détailler un petit peu comment le projet s'est monté, ou valoriser leurs initiatives auprès des habitants. Les jeunes ont de belles initiatives envers les autres, que ce soit à travers le handicap, que ce soit à travers la découverte de l'autre dans les pays étrangers. Et ça, c'est très important aujourd'hui pour pouvoir, je dirais, sortir un peu de son quotidien et aller vers les gens qui soit en ont besoin ou soit qui veulent qu'on les remarque pour autre chose que leur différence. Et puis, c'est aussi un espace de réflexion puisqu'on essaye de mettre en place des temps de débat l'après-midi sur des problématiques qui interrogent les jeunes plus spécifiquement. Les Agora sont souvent adossés à des événements locaux. L'exemple de Savenay qui était tourné autour d'actions en lien avec le voyage. Pourquoi en tant que jeune, à un moment, on ressent le besoin de partir? Qu'est-ce qui nous amène à partir? Qu'est-ce qui fait la différence entre un voyage en collectif ou un voyage individuel? Qu'est-ce qu'on va chercher à travers ce départ? On s'appuie sur un témoignage de jeunes, on peut s'appuyer aussi sur des films, sur du photolangage, voilà, différentes techniques qui permettent de rentrer doucement dans le débat. Vous êtes partie dans les camps de réfugiés au Sahara ?
Et donc là-bas, c'est vraiment un mode de vie totalement, totalement différent du nôtre parce que ils ont pas grand-chose, donc ils sont toujours joyeux, ils ont toujours le sourire, mais c'est vraiment totalement différent. Mais en même temps, ça nous a pas du tout empêché de nous entendre super bien avec les jeunes qui étaient là-bas. Et si, par exemple, l'année dernière, je suis allée en Espagne, puis on communiquait en faisant des signes, ok. Ouais. Et a priori, on a tous un peu les mêmes gestes quand on a besoin de manger ou quand on veut boire. Alors moi, je suis partie 6 mois en Allemagne et 1 an en Angleterre, toute seule. Et je pense que ça m'a apporté déjà l'autonomie. Quand vous êtes revenue, est-ce que vous avez le sentiment que votre groupe, il y a un truc qui le rassemble encore plus? Et on est plus unis, on est plus... je sais pas comment expliquer. Ça nous a rapprochés, ouais, voilà, le voyage. Ouais. On a remis le brevet d'engagement à 2 jeunes qui s'étaient impliqués sur un projet autour de la question des droits de l'enfant. Vous étiez 2 sur le territoire. Il y avait aussi Pauline qui ne pouvait pas être là. Et voilà, on peut aussi qualifier ton engagement en lien avec l'UNICEF. L'initiative d'aujourd'hui, je trouve que c'est une belle initiative. Ça permet aux jeunes de montrer, de présenter leurs actions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas que des Savonésiens, c'est que les jeunes viennent aussi d'ailleurs. Je pense que l'initiative, elle est portée sans doute au départ par les Francas, si je ne m'abuse, mais la LJ s'est bien immiscée dans le projet à travers son directeur, Cédric Jolivet. Alors, la LJ est adhérente aux Francas depuis 1980. Pour nous, c'était très intéressant de mettre en place pour la première fois une action sur Savenay avec une visibilité du coup hein, et d'être main dans la main pour un projet de partenariat, hein, de travail en commun sur la valorisation des actions jeunes. Donc c'est à la fois pour valoriser aussi la place des Francas ici et de montrer que 30 ans après, il y a toujours cette connexion entre notre fédération et l'association Loisirs Jeunesse. C'est un bon moyen pour les jeunes de partager leur expérience et puis de pouvoir s'exprimer librement sur ce qu'ils ont pu vivre, ce qu'ils attendent d'une expérience de départ, que ce soit à l'étranger ou même d'être coupé de la famille tout simplement. Quoi. On est concrètement dans une action de valorisation, donc je pense que dans ce qui motive les jeunes à continuer leurs engagements, c'est important d'avoir cette reconnaissance et ensuite les retours des gens et des autres jeunes sur leur projet, ce qui leur permet encore d'aller plus loin. Je pense que c'était vraiment une expérience enrichissante que les jeunes ont beaucoup appréciée, donc à renouveler sans doute, oui. Bah, c'est bien, ça nous permet de rencontrer d'autres jeunes qui font aussi des projets, et puis ça nous permet de parler de notre projet, du leur, d'échanger encore autour de dessus. Je trouve que c'est quand même une bonne idée pour mettre en valeur tous les projets que les jeunes font tout au long de l'année. Comment dire, pourquoi pas leur réveiller en eux quelque chose qu'ils ignoraient, quoi. Enfant de l'art, enfant de la nature, sans prolonger les jours, j'empêche de mourir. Plus je suis vrai, plus je fais de la posture et je deviens jeune. À force de vieillir, mon portrait n'est qu'un visage que l'on me donne. Ancienne sous-préfecture attachée à la Bretagne, sans bouger d'un style, l'avenir n'est pas passé. Tu reconnais ma fille, ça venait d'y connaître. Enfant de l'art, enfant de la nature, sans prolonger la posture et je deviens jeune. À force de vieillir, mon portrait n'est qu'un visage que l'on me donne. Ancienne sous-préfecture attachée à la Bretagne, sans bouger d'un style, l'avenir n'est pas passé. Tu reconnais ma ville, ça venait d'y connaître.